Salut tout le monde, ici Yakipan de retour pour une nouvelle rotation de champions gratuits de League of Legends. Oui, beaucoup d'accents, beaucoup de notes très aiguës, mais c'est pas grave, on oublie. Hein. Donc on commence avec Garen, force de Demacia. Garen est un top, et pas trop un jungler en fait, moi j'aime pas. Ce qui est bien avec Garen, c'est que vous battez, vous foutez sur la gueule avec votre top, tranquille, hein, posé, à base de petits gâteaux. Et dès que ça va pas, ben, vous reculez. Vous attendez 8 secondes, je crois, vous regagnez toute votre vie et vous revenez dans le combat. Voilà. C'est simple à jouer, Garen. En plus, il peut complètement éclater quelqu'un avec son ulti, donc c'est plutôt pratique, hein, ça silence et tout, je crois, donc... Bref, sympa, le petit Garen. Graves, hors la loi, Graves est un ADC. Et Graves, eh ben... il botte des culs. Ouais, tout simplement. Ben, en fait, en plus, son A a été... son A a été revu du fait que, maintenant, si tu prends... plein de balles dans la gueule, tu prends encore plus de dégâts, je crois. Donc c'est un peu pas mal, quoi. Vous avez juste à dasher devant le type, vous lui foutez votre A dans la tronche, et normalement, ben, ils font comme neige au soleil. Lulu, sorcière féerique. Lulu se joue en tant que support, et j'aime beaucoup Lulu, vu qu'elle peut neutraliser, elle peut ralentir, elle peut faire des boucliers, elle peut remettre de la vie, elle peut faire beaucoup de choses, la petite Lulu, et puis quand je parle vite, ben, en fait, on comprend pas beaucoup de choses. LOL. Orianna, demoiselle mécanique. Orianna se joue en tant que mid. Et Orianna est un personnage particulier. C'est-à-dire qu'il faudra se battre avec la bouboule. Certes, c'est un peu compliqué au début, mais vous vous y ferez, comme tous les personnages difficiles de ce jeu. D'ailleurs, ils en font de plus en plus et je trouve ça plutôt pas mal de enfin réfléchir à comment jouer. Bref, Queen, elle de Demacia. Queen se joue en tant qu'AD Carry et j'aime beaucoup Queen parce que elle peut complètement changer le cours de la chose en fait. C'est-à-dire que si son pigeon arrive à cibler l'ennemi, eh bien, il prend double dégâts. Donc, c'est plutôt pas mal. En plus, elle peut forcer le pigeon à aller sur l'ennemi. C'est-à-dire que, en fait, moi, ce que je faisais, du temps où je jouais Queen, c'est-à-dire ça remonte à au moins 26 ans, je crois, j'étais jeune, hein, bon. J'attendais que le petit pigeon aille sur l'ennemi, je lui mettais une auto-attaque, j'actionnais mon E pour pouvoir lui remettre le pigeon, puis lui remettre une auto-attaque, et enfin, ben... la suite, vous la connaissez, le support doit faire son job, mettre un stun ou un contrôle, et basta, tout le monde est mort. Shyvana, demi-dragon. Shyvana se joue en tant que top ou en tant que jungler. J'ai du mal avec Shyvana, parce que pendant un sacré moment, elle était vraiment mise hors course, hein, parce que, je sais pas, elle arrivait pas à faire la jungle, et elle était un peu trop faiblarde. Là, je crois que ça commence à revenir, surtout avec les nouveaux items, mais... j'aime pas trop Shyvana. Faites attention à votre fureur, en fait. Hein. Vous devenez un dragon, mais pour ganker, pas pour être dans la jungle tranquille, hein, s'il vous plaît. Skarner, gardienne de cristal. J'aime beaucoup Skarner, parce que, ben... avant, il était cool, puis il a été reblasé, un peu comme Shyvana, puis il est revenu. Et franchement, j'ai retesté le Skarner, ben il vaut vraiment le coup, quoi. C'est un personnage que tout le monde m'ose oublier, mais il vaut vraiment le coup. C'est-à-dire qu'il neutralise quelqu'un pour 1 à 2 secondes, je crois. Et c'est quand même assez violent, hein. C'est que le mec, ben, il peut juste rien faire, et puis tout le monde de votre équipe lui tombe dessus. Donc généralement, aller chercher un carry, c'est mieux que de choper le tank. Sauf si c'est un tank un peu agressif, genre une Riven ou quoi. Si vous la neutralisez, ça peut être cool. Comme ça, au moins, votre équipe, ben, elle fonce sur les carries adverses et peuvent les défoncer, pardon. Donc voilà, Skarner, c'est à vous de choisir et à vous de voir comment faire quelque chose de pas mal. Syndra, souveraine obscure. Syndra se joue en tant que mid et certains la jouent en tant que support. Oui, en ce moment, les supports sont devenus des gros AP mid, ce qui permet d'avoir beaucoup de dégâts en fin de game et un minimum de contrôle. Syndra, c'est un minimum de contrôle, donc ça peut être cool. Et puis, c'est surtout fait pour défoncer très très vite le bot aussi. Udyr, gardien des esprits. Udyr se joue en tant que jungler et j'aime beaucoup Udyr. Ouais, j'ai toujours aimé Udyr, en fait. Ça a été le premier perso que j'ai joué, voilà, je vous le dis. Le premier, ben, c'est Udyr. Et après, Fiddle. Et après, que des personnages un peu vieux que personne ne connaît. Bref, Udyr, en fait, peut changer de forme et faire des dégâts en fonction de ce qu'il fait. C'est-à-dire, il peut faire du DPS, soit se protéger, soit stun, ou alors faire des dégâts AP en zone. Zilean, gardien du temps. Zilean se joue en tant que support ou en tant que mid, je l'ai vu en ce moment. Et c'est pas trop mal en fait le nouveau Zilean. Avec ses nouvelles bombes qui peuvent stun, c'est vraiment, vraiment pas mal.
Je pensais pas qu'il ferait un truc aussi bien à Zilan. Certes, on peut plus avoir du CD sur son ulti, mais c'est toujours aussi bien Zilan. Bref, voilà, c'était la nouvelle rotation des champions gratuits de League of Legends avec le petit gars qui parle là, le mec, tu sais, qui dit n'importe quoi. Il vous fait des bisous de toute façon, hein, il vous dit à la semaine prochaine, et soyez sympa sur les champs de justice. N'oubliez pas de rester connecté sur IVA Sound parce que ben on fait des trucs de folie, on sort beaucoup de choses, on travaille beaucoup, en plus on mettra plein de jolies robes, du vernis, non je déconne. Allez, je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine, ciao ciao tout le monde!